Salut tout le monde, on est le lundi soir et donc c'est Mats Minecraft à travers les siècles. Alors du fait du prochain démarrage de l'Ecube, c'est le dernier live de cette saison, probablement pour moi. Salut Christo. Salut Florent. Bon. Ah, y a Kisa qui est là. Ouf. Oh ben. Et ils m'ont déplacé. Bon, on va dire bonsoir plutôt. Bonsoir. Hop. Ouais, ils ont recentré les bassins. Donc Akiza et Dame Dodo, ils ont fait un gros boulot sur le jardin. Hein, nous, le dernier coup, on avait construit le petit pavillon. Et Dame Dodo m'a envoyé un message pour dire « On recentre le bassin parce que c'est pas feng shui. » Oh, un petit sol. Enfin, je pense que c'est un sol. Hein. Oui, Salix Babylonica, sol pleureur de Pékin. Les petits panneaux à chaque fois. Liquidambar, Acaclicina rouge. Il pétouille, au pépère. Salut Luc Gwendal, salut Real Mohican. Bon, ça, on expliquera à quoi ça sert un petit peu plus tard. Mélèze de la Teigo. Larix Potanini. Oui, alors tout son jardin aussi, il y avait des. En fait, c'était des arbres, je crois que c'était des éléments qui venaient des provinces du temps de Yongle, hein, puisqu'on est au 15e siècle, hein, on est au moment de la construction de la cité interdite. Et donc. Terrain de Kuju, ancêtre du foot. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ah, oh, mais ça va très bien, et toi? Bah, ça va. Je me balade, là, dans le... Dans le jardin qu'on a fait avec Dodo. Dans le petit jardin. Ça, c'est... Il est bébé, le pain de Napoléon. Wang Chansensis. Pop, pop, pop. Oh, pardon madame. Ah, c'en est un autre. Oh, 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 oh. Non, c'est parce que vous n'avez pas encore eu le temps de le faire en fait. Oh non, c'est. Mais comme disait Dodo dans son message avant, c'est vraiment les arbres custom qui demandent beaucoup de temps. Quoi. Faut toujours qu'on recorrige. Ouais. Parce que les petits arbres, par exemple, le tronc blanc avec les feuilles rouges ou jaunes, ben on a mis une demi-heure à trouver le pattern. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pas évident. Puis en plus, à la limite, plus ils sont petits et plus. Tiens, il y a du. Ah, c'est pour empêcher que ça descende. Ok. Donc là, c'est. Tout à l'heure, on a vu, ils jouaient un jeu qui ressemblait au football. Ils jouaient aussi un jeu qui ressemblait au golf ou au croquet. Mais bon, il y a des trous, alors ça fait golf. Alors, notre jardin est beaucoup plus petit que le jardin original, hein, qui avait beaucoup plus de mètres carrés. Oh, le minou. Salut Carcosian, salut Docteur Pi. Re les 3 AB. Salut Zekaz. Salut Galala. Bienvenue à tous. Et merci Réal Mohican. Ouais. Bah moi ce que je vais sur ce que je vais travailler, ça va être les portes. Les deux portes.
Et puis pour moi, du coup, ça va être le dernier. Ah, vous avez déplacé en plus tous les. Ouf. Ah oui, on n'a pas fait les choses à moitié. Ah, vache. Puis alors là, il y a du. Là, il y a du triage. Hein. Et ça, mine de rien, c'est que tu passes du temps aussi à faire ce genre de truc. Ah oui. Salut Mister Guimauve, salut Oliver Dark, salut Suzuya, salut El Bubu, salut Fredo. Bah, tout le monde est là, on peut commencer. Ah, par contre, je me suis pas sorti Google Map. Contrôle N. Google Map. Pékin. Salut Archon, salut Jewan. T'as pas encore mangé, Fredo? Oh, t'as qu'à te faire des pâtes. C'est rapide les pâtes. Alors, il vaut peut-être mieux se mettre en mode satellite en fait. C'est. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'on a aussi. Oh. Il faut que j'en profite pendant qu'ils sont pas là parce qu'après ils vont être là, ils vont me les tuer tous. Je me suis retenu de dormir, tu vois, j'allais courir vers le lit par habitude. Super. Voilà, faut attends, le truc c'est d'attendre de voir ses yeux. Quand tu écris que c'est la fin de la saison, ça veut dire qu'on va passer à l'été. Bah, chez nous c'était un petit peu l'été aujourd'hui. Il a fait chaud, on n'a pas eu le soleil tout le temps, mais il faisait chaud et c'était quand même bien agréable. Hein. Alors je sais pas combien j'en ai tué. On va regarder les stats. Le dernier coup, j'avais arrêté à combien? Parce que là, je suis à 377. J'ai dû le noter, non? Combien j'ai arrêté le dernier coup? Ce qu'il y a, c'est que c'est écrit dans mon cahier, puis je sais plus où, quoi. Bon, on verra bien. Alors, fin de saison, parce qu'en fait, du fait d'Holicube, ça sera mon dernier live du lundi sur Mats. Donc, saison 6. Le serveur, lui, il va continuer. Les Matseurs. On n'est pas en grève, hein, on a encore du boulot. Ben, ils ont encore un petit peu de boulot, ouais, donc ils vont continuer. Et c'était 374, pas impossible, je viens d'en tuer 3. Et quand Holicube sera fini, ben, on commencera Mats saison 7, le 16e siècle, la Renaissance. Tatatan! Alors on fera peut-être une rétrospective. Enfin, il y aura peut-être un spécial redémarrage où on fera un point sur tout ce qui aura été fait pendant que. Ou alors on fera un live de clôture comme la saison dernière. Non, ce sera un live de. L'ouverture. Ce sera un live d'ouverture. Non, non, on va faire autrement. Ben Jewan, t'es pas au courant? Il faut sortir de ta grotte. Holicube commence vendredi. Vendredi soir. 21 h. 21 h, ouais. Donc, on va souffrir dans le Nether. Donc, ça va être. Ça va chambouler. Oh. Ça va chambouler pas mal de choses sur la chaîne. Ouf, il y a des petits lags. On va attendre qu'ils redescendent parce qu'avec les lags, ça sert à rien de. Ah vache, il remonte trop tôt. Voilà, ça y est.
Donc là, vérifions un truc, il a dû me le compter, je dois être à 378. Ouais, là ça compte. Ouais, le dernier coup avec le avec l'arc qui les cramait, il me les comptait pas en fait. Je les tuais, mais il me les comptait pas tous. Bon, ok. Alors. Donc pour finir sur les changements, il va y avoir donc. Et merci Netflix pour ton deuxième mois. Merci à toi. Et ben merci à toi de confirmer. Un grand merci. Merci pour le soutien. Et c'est super sympa. Salut Lesby, merci pour le suivi, bienvenue sur la chaîne. Salut Mister J, salut à tous ceux qui arrivent, salut Karakam21. Ouf. Donc pour ce qui va changer un peu sur la chaîne, il va donc y avoir beaucoup plus d'Olicube et un petit peu moins du reste. Je vais garder deux séries. C'est le projet Amiens dans Minecraft, toujours le jeudi. Et puis le vendredi, je vais garder le petit live détente, parce que je crois que je vais en avoir besoin de me détendre. je crois que la 1.16, ouais. Enfin, on verra bien. Mais donc, le petit live détente du vendredi, la simulation de vol, donc vont être mis en attente. Donc pour moi, Matt, je vais prendre des vacances. Ah, j'ai pas vu les arbres jaunes là-bas. Et Techtopia Railroading, où je serai. Alors, je passerai encore de temps en temps sur le serveur pour faire vivre le truc. Il y aura des petits événements. On doit faire l'inauguration de la ligne Paris-Bruxelles. Donc, il y aura des petits lives de temps en temps. Mais ça sera vraiment, vraiment pour des moments exceptionnels. Et ça sera. Il n'y en aura pas beaucoup. Ah, il n'y a pas le panneau sur celui-là, ouais. Ça va pas, monsieur Akiza? C'est pas moi qui faisais les panneaux. C'est pas moi. C'est Dame Doudou. Bon, ben y a pas le panneau sur l'arbre jaune. Ça doit être un citronnier, je pense. Non, c'est le même qui est parallèlement le même. Qui est feng shui-ment le même, on dit. Oui, du coup, enfin, celui qui a l'arbre rouge, parce que c'est le feng shui des couleurs, là, pour le coup. Du coup, au lieu de mettre un arbre rouge, il fallait mettre un arbre jaune. On a mis. Ouais, mais ça doit être un nom différent, quoi. Ah non, on a mis la même espèce. Sauf que, en fonction de la saison et des régions, ils n'ont pas les mêmes couleurs de feuilles. Ouais, mais alors on est au même coin. On est au même coin, Ah oui, mais ils viennent pas de régions identiques. Ouais, un petit peu moins de Techtopia, mais. Donc, ça, c'est des séries qui redémarreront. Dès qu'Olicube sera terminé, ou qu'Olicube commencera à ralentir un petit peu, il y aura un peu plus de Techtopia Railroading. Mats, par contre, c'est quand même une grosse série, donc il faudra attendre. J'attendrai la fin d'Olicube pour redémarrer Mats 16e siècle. Et salut King Kong, merci pour le suivi. Hop. Du coup, l'affiche pour le navion, c'est pour quand? Bah, c'est pour vendredi, Jowen. Le navion, ça change rien, ça change pas. C'est vendredi. Bon, moi, il faut que je fasse mes deux petites portes. Hein. Ici, vous vous souvenez, on a la porte du nord qui nous permet de. Tu les chats, ils font fuir les fantômes. Mais Fredo, c'est vrai qu'il paraît que ça a le goût du lapin. Un bisou quand même, Fredo, même si tu es quand même un petit peu cruel. T'es sûr que ça fait fuir les fantômes? Ça ferait pas plutôt fuir les creepers? Les chats... Oui. Je crois que les chats, c'est les creepers que ça fait fuir. Ouais, bah les fantômes, je crois que ça perd de rien. Ouais. Mais je pense que c'est... du jour. C'est un faux chat, ça. Ça, c'est... Fredo essaye de nous embrouiller. Bon, le jardin actuel, il est là. Il est plus carré. Hein. Nous, il est plus écrasé. Puisqu'on n'a pas respecté... on l'a pas fait à l'échelle 1. Oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, J. On l'a pas fait à l'échelle 1. Toute la cité interdite.
Et donc, pourquoi chaque fois je repère des bouts? C'est bizarre. Voxel Map, je l'aime vraiment pas. Côté de journée map. C'est-à-dire que si j'enregistre pas, je devrais. Puisque journée map est sorti en 1.14, mais sous Forge, je devrais démarrer un client Forge. Ah oui, tu t'inquiétais pour ma santé parce que il va y avoir deux lives la même journée. Wow, c'est pas gênant. Parce que le. C'est pas gênant. C'est pas gênant pour ma santé. Mais le petit live du vendredi, ça va être cool là. Puis il n'y aura pas le 3615 qui pilote. Donc. Ah, Christo mec écrit que les chats font fuir les creepers et les fantômes aussi. Oh, d'accord. Oh, mais tu fais quoi? Ouais, bah donc voilà. Ils font fuir aussi les fantômes. Bon, t'as vu, on a quand même réussi à en avoir un, deux. Le dernier coup, on était dans le coin, il y avait les chats. J'en ai tué une centaine hein, pendant un live. Donc, c'était un record. Hein. J'ai pas réussi à le refaire. Fredo dit alors, je dis pas que des bêtises. Ah oh, zut, on va être obligé de dire. Ah oh, Fredo, tu dis pas que des bêtises. Pas que. Et il va choper la grosse tête. Alors, on va attaquer la grosse d'abord. Enfin, la grosse porte. Ah bah ça y est, on est perdu. Ah, il nous a mal géolocalisé. Ah, on est perdu. Brin. Bon, faut revenir à la vue satellite. Et on veut atterrir ici. Mets-moi là. Voilà. Là, on a la porte du nord. Et là, on a la petite porte qui permet d'accéder au jardin impérial. Le jardin impérial est juste derrière. Donc, gros mur en... Bah déjà, on va attaquer... Tiens, je vais attaquer le gros mur. Pourquoi il y a ça? C'était peut-être un repère. Tant pis, je l'ai enlevé. Terre cuite rouge. On fait en terre cuite rouge, hein, les gros murs. Oula, pourquoi j'ai plein de bras dans mon... Est-ce qu'il y a un coffre à bras? Oui, on en a fait un. Géologie chinoise. Oui. Alors, vous l'avez fait, mais... Ah, c'est brun. Mais pourquoi il est là? Il devrait être mis en valeur, quoi. Alors que là, il est noyé dans la masse. En si plus... On avait les modes, on pourrait mettre un coffre en or. Non, mais des voyous, ils l'ont fait vide. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai à ranger, moi, du coup? On va essayer de travailler proprement. De l'herbe. Terre-herbe. Et de la terre. Du bleu. Du bleu, c'est terre cuite. Émaillé. Voilà, de la bleue. Pop, pop. De la pierre taillée. Roche et pierre taillée. Oh là là là. Je suis épaté là. Là, je suis soufflé là. Gigi, il dit, je dirais que dans toutes tes séries, il y a au moins 5 coffres à brins. 5. T'es gentil, hein. Salut Rana Templan. Oui, terre cuite. Ici, il y avait trois portes. Donc là, on va se faire un petit mur. Alors le petit mur... Alors là, il y avait moins de place. Hein. Il y avait plus de place dans la réalité, mais bon, comme on a réduit un peu... le petit mur, il est haut. Hein. À combien on va estimer la hauteur du mur? Et, je suis en train de me demander s'il n'est pas la même hauteur que... Est-ce qu'on est à égale distance? Si on se met comme ça, je mets ma main en point de repère.
Hop, je me fais un virage en gardant la main sur l'écran. Ah, il a un petit chouï plus petit, plus bas. Oh, il fait plus de 5 blocs. Un bloc, c'est 1 mètre. Vous avez vu, là, vous avez une chinoise. Elle fait 1 mètre 65. Ah, il y a un soldat chinois là. On lui fait 1 mètre 80. Bon, il fait 4 doigts. Donc, Quatre doigts. 4 doigts, 4 doigts. J'ai presque 3 fois sa hauteur. Donc, ça fait 6 mètres. Oh, c'est pas beaucoup 6 mètres. Bon, Oh, ça fait c'est plus quelque de 6 chose, mètres, hein. ça, ouais. Si, tu crois que ça fait... Bah après, 6 mètres dans Minecraft, ça fait petit, mais en vrai, c'est énorme. Oui, 6 mètres, oui. Parce que faut pas oublier que nous, dans Minecraft, on fait 2 mètres, hein. On est des géants. Est-ce qu'on fait réellement 2 mètres? Bon, allez, 1,80, Regarde, 1,90. alors, hop, regarde. Non, regarde. Et encore, j'ai un casque. Attends, j'enlève le casque. Ah ouais, pas loin, remarque, hein. Ouais, si je fais pas 2 mètres, là, je suis à 1,90 m, mais grâce à ma houppette, hein, grâce à ma petite houppette, d'ailleurs, que j'ai là, puisque j'ai toujours pas été chez le coiffeur, il va falloir qu'à un moment donné, j'y aille quand même, ou alors que je me rase la tête. Oh, Possible aussi, possible. Donc, on va partir... Oh, remarque, on va le voir tout de suite. Ouais, parce que si c'est la même hauteur que là, là, c'est hyper haut. Ça va pas faire joli. Donc on va partir sur du... Alors on va surtout le faire de l'autre côté parce qu'après on va avoir la porte. Alors là on va le laisser ouvert parce que sinon on va plus pouvoir passer. Donc là on est à combien là? 1. 1, 2, 3, 4, 5. Après, faut pas que ça soit. Enfin, là, ça fait mur imposant quand même, quoi. Et puis, il y a même. Oh, ça, on va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le G1? Je perds plus de coffres à brins dans mes séries que de lits. Dans la série Techtopia, c'est pas évident. Hein. Oh, il pleut. Et on peut pas dormir. Pas encore. Il est que 15 h. Ah bah oui, c'est affiché. Pourquoi ce n'est pas le même rouge? Le même rouge que là? Parce que là, on l'a fait en béton. C'est la porte principale. Alors que là, c'est juste un mur. Et les murs, on les fait pas en béton. On les fait en terre cuite. Bon, ben on va... Ah, tant pis, il pleut. Bon, sachant que après... On a encore le coup de la dalle. Et éventuellement de l'autre côté, hein, mais après on va voir. Salut Lynn. Coucou Lynn. Coucouline, 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 coucouline. Je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Oh, ça fait penser. Oh ouais, tiens, j'ai essayé ça, de toute façon, je ferai des idées. L'architecture russe, ça me changera, tiens. C'est vrai qu'on a pas fait beaucoup de trucs russes. Mais bon, Le 16e, on fera, enfin, moi, il y aura peut-être des petits projets annexes Route de la soie bis. faits par les membres. Non, non, mais si je repars dans un truc comme ça, vous me faites un ban dev direct. Ah, vas-y, dis-nous quand même qu'on rigole. Non, mais ce que je dis, c'est qu'on fera un petit truc, quoi. Ah, Une petite maison. Voilà, une petite maison. Oh.
Salut Calypso. Avec Dodo, on voulait taper dans du gourou. Dommage. Salut Tarado. Ouais, c'est moi le doyen. Ich bin le doyen. Au 16e siècle, on est en Russie. D'ailleurs, c'est la naissance de la Russie avec Ivan le Terrible. Et il fait l'église Saint-Basile le Bienheureux. Le truc qui est sur la place rouge. Ah, avec les globes, les toits bizarroïdes dans tous les sens, là. Oui, qui ressemblent à des bonbons. Ouais. Ça, c'est... c'est super facile à faire. Bah, ça a été surtout beaucoup fait. Oh oui, ça, on peut pas nier. Donc, je sais pas. Après, il va y avoir le projet principal, le petit truc qu'on va faire. Il peut y avoir des petits projets, enfin des projets annexes, hein, donnés à des personnes de confiance. Et de qualité. Et de qualité. Et de qualité. Pour comparer, il faudrait presque que j'en fasse un de 6. Qu'est-ce que ça vous dit, 5 de haut ? Ce qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est les portes. Il y a 3 portes, une grosse et 2 petites. Papa ours, maman ours, bébé ours. Ah non, mais J1 pour l'église Russie, tout ça, je parlais sur maths, moi. Je parlais pas sur Olicube. Ouais, c'est pour maths. Ouais. Non, sur Olicube, je sais pas ce que je vais faire. Enfin, si, je sais. J'ai trouvé des idées. Ça sera pas une église. Ce sera une petite maison. Une petite maison et puis un autre truc sympatoche. Et puis, bien sûr, on fera un B17. Parce que, voilà. Le B17, c'est la vie. Du coup, on va peut-être mettre du béton rouge pour marquer... Parce qu'elles sont en légère surimpression, les portes. Et salut King Amnesia. Ouh, le roi de l'amnésie. Oui, puis bien sûr... Donc on va prendre du béton. Béton coloré d'hiver. Ouais, mais ce qui nous intéresse, c'est le béton rouge. Tiens, bouton en chaîne. Chaîne. Coraux. Quartz. Diorite. Caillou. Chaîne. Je pense que des boutons, c'est bon, on en a. Alors la petite maison, ça sera pour aller avec ce que va faire Roi. Mais je sais pas ce qu'il a dit, s'il l'a dit ce qu'il allait faire Roi. Bon, connaissant Roi, il a dû dire je peux pas vous le dire. Ah, je vais vers ça. Le problème de faire 5 de large, d'un côté elle est un peu carrée. Hop, il y a ces bazars là. On va la dessiner au sol parce que j'ai peur que ça me mène trop loin, ça. Parce que si j'en fais une autre, alors une petite ici, hein, on a fait maman ours. Là on fait maman ours. Ça va, on tombe toujours dans la truc, c'est bon. Pas plus, donc on pourrait rester là-dessus. Roi n'a rien dit. Bon bah alors je peux rien vous dire alors. Maintenant si vous me payez, je peux vous dire ce que Roi va faire, hein, parce que je le sais. Bon, non, c'est... Bien entendu, c'est complètement stupide, hein, ce que je dis. Même sous la torture, je le dirai pas. Hein. De toute
Pour le temps qu'il reste à attendre, quand même, vous pouvez faire un effort. Non, attends, il reste plus de temps de ça parce qu'apparemment il va falloir sortir du Nether. Ah, d'accord. Et pour sortir du. Parce qu'on spawn dans le Nether et pour sortir du Nether. Mais j'ai peut-être pas le droit de le dire, ça. Ah, bah oui. Ah, oui, je. Bah oui. Chut, dis rien. Est-ce que t'acceptes la diurite pour payer? La diurite? C'est du brin. C'est pas Animal Crossing, hein, on paye pas avec des cailloux et des branches, hein. Ouais, ou le nouveau monde de... découvert par Christophe Colomb avec de la verroterie. Alors, après hauteur donc. On va mettre du petit. On va mettre du petit bleu au-dessus. Notre fameux liseré bleu. Et là, c'est quand même plus rectangulaire que carré. Hein. Donc 3-3. Ouais. Animal Crossing, le simulateur de. Pourquoi ? Ah, je sais pas pourquoi, Coffee 10, mais... Simulateur d'un organisme de crédit, c'est-à-dire qui met sur la paille des gens qui n'ont pas de moyens. Alors, non, en fait, parce que dans Animal Crossing, tu incarnes un personnage qui arrive sur une île déserte, et du coup, tu construis une petite communauté, tu vois, avec un petit village, tout ça. Et t'as un raton laveur qui s'appelle Tom Nook, bah, à chaque fois, il te faut un crédit sur le dos pour améliorer ta maison ou pour agrandir ton île. Ah, d'accord. Et à chaque fois, tu payes. Ah, voilà. D'accord. En combien de morts je vais sortir du Nether? Bah zéro. Objectif. Tu rigoles pas, Kisa. Objectif. Objectif. Zéro mort. Ah, Dodo est là. Zéro avec combien de chiffres devant? Lindy, j'ai gaffé. Ouais, bah oui, Mister Guillaume dit tout le monde avait deviné si personne ne l'avait dit, bien sûr. Mais personne ne l'a dit, Auré, il l'a pas dit dans sa vidéo? Ah zut. Non. Re Grégard. Ah bon, vache. Bon, enfin, c'est la Nether update. Je vais aller voir Dame Dodo. Parce qu'elle a enfin récupéré de la coup. Bah, et les gens sont plus chez eux. Ils déconfinent. Ils sont à l'école, ça y est. Ils sont au lit. C'est à partir de lundi. Ah bah oui, c'est... Hop. Bonjour, Dame Dodo. Oh, comme il est beau, ce templounet. Bien, ah, bonsoir. Bah, Dodo avait peur que tu trouves ça trop chargé. En Chine, rien n'est assez, rien n'est assez chargé. Ah, j'adore la déco. Ah, c'est moi qui l'ai fait. T'as mis ton cadeau, ton gâteau. Ah, t'es à 3 FPS, faut attendre que ça chauffe. Ouais. Ah oui, il y a des têtes. Non, c'est chargé. Indéniablement, mais là on est dans les quartiers privés de l'empereur et de l'impératrice. Ils avaient du pouvoir, du pognon. Splash. Alors j'ai loupé un truc. Suzuya a offert un abonnement à Grégard. Gros bisous, Suzuya. Merci, merci pour le soutien. Gros bisous. Donc, je vous ai rien dit. Voilà. Je vous ai rien dit. De toute façon, je suis obligé de ressortir de l'autre côté puisqu'il n'y a pas de sortie. Pierre calcaire des grottes de Longmen.
qui veut pas dire homme long, hein. C'est du chinois. Hein. Non, mais des fois les gens ils disent, t'écris en anglais et tout. Non, non, on écrit en chinois. On est dans la cité interdite. Alors, oui. Ah, il me faut du bleu. On dirait que Dame Dodo porte une nuisette. Terre cuite émaillée, la bleue. Je veux de la bleue. La bleue, la bleue, la bleue. Ah bah Jewen vient ma rescousse. Il aurait dit dans une vidéo que le spawn était dans le Nether. Voilà. Mais comme c'est la Nether Update, ouais, je pense que les gens ils s'étaient quand même douté que ça allait être chaud. Quoi. 3, donc ici, hop. Du bleu. Hop. Par contre, ici, il faudrait que j'aille un chouille plus haut. Il y a des têtes de creeper, bah ouais. Ça va. Ah, on t'entend, Dodo. Ah, ouais. Super. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça me fait mon PC, Mako. J'ai des grands écrans noirs. Mais bon, je suis dans le temple. Là, pour Minecraft, je... Alors, ça me plaît, Zed ? Ouais, c'est super joli. Ouais. Ah, on a fait déco avec Akiza, on s'est éclaté. Alors, lui, il nous a fait un truc génial. Hein. C'est lui qui a fait tout ce qui est hôtel. Il y a des petits pots bleus. C'est de la porcelaine chinoise, mais Ming, attention, ça rigole pas. Donc c'est lui qui a fourni le diamant, parce que moi j'en avais que 3, je vais pas trop donner. et donc il a fait un super boulot. Et j'aime beaucoup ces lampes, parce que c'est exactement le style dans l'original. Et on n'avait qu'une seule photo. Hein. Parce que je suis tombé côté dans info, ah, côté oui, info oui, c'était pas terrible. Hein. À l'intérieur, là, c'est ça les petits vases. Ouais, 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 c'est des petits vases bleus. Mais vraiment superbe. Ouais, ça rend pas mal. Surtout quand on les regarde dans ce sens-là, quoi. Toc. J'ai rougi. ne rougis pas. Non, ne rougis pas. Ne rougis pas. Salut Kamok, merci pour le suivi. Et salut Twixorex. Salut Ajax Sniper. Ouais, ouais, c'est... Alors après des petits hôtels dans le... Et alors on a mis des gâteaux parce qu'on s'est dit Zed, il aura peut-être une petite faim. Comme d'hab. Et j'ai pas... Il me reste 7 côtelettes de porc, puis 7 carottes dorées. Après je viendrai taper dans les gâteaux. J'ai pas osé, je me suis dit... Dans les gâteaux, hein, t'es l'empereur, je les ai vus, alors, je me suis dit je vais voilà. En prendre une part et puis après je vais me faire repérer quoi. Alors c'est le temple de l'eau. Et c'est pour ça que j'ai mis de l'eau là. Sur les côtés. Ah ouais. Parce qu'en regardant les images, ça fait comme si il y avait des gouttières avec des dragons qui crachent de l'eau quand il pleut. Et je pense qu'ils ont rebouché avec du béton. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les fantômes. Oh bon, moi je rentre dans le temple. Hein. Moi je bah te ouais, laisse. Je te protège. Oh, je me protège toute seule dans le temple, moi. Je suis avec Zenwu. L'empereur guerrier. Hop. Ouais bah. Fais le concours tout seul. Oh, c'est bon, de toute façon ils arrivent qu'à un. Apparemment c'est à cause des chats. Ils viennent pas? Ah c'est. Il y en avait un, il est mort. Ah. Ah déjà? Non, il y en a un autre. Et de toute façon il me vise moi.
Oh. Bah oui, parce que nous, pour l'instant, avec Akiza, on dort tout le temps. Bah oui. Ah ouais. Pour faire du jardin la nuit, c'est pas pratique. Alors que moi, j'ai un défi. Ah bon? Oui, il faut que je tue 500 fantômes avant la fin de la saison, donc... Bah, il nous reste plus qu'un live. Il te reste 2 heures. Bon, c'est raté. 380. C'est cuit. Ouais, non, ça va être super. Quand ça va être fini, ça va être superbe, joli, super beau et tout. Ouais, là, on s'embête beaucoup avec les arbres parce que. Il y en a encore là. Ouais, c'est là où. Et là, par ici, il va y en avoir aussi. Je me souviens plus de ton petit plan. Il y en a partout. En fait, il y en a 160. Mais on va pas en faire 160. Oui, non. Parce qu'on n'a pas la même, on n'a pas la même superficie que dans le jardin réel. On est plus petit. Hein. Oui. Et puis, de toute façon, voilà. Et alors, ici, normalement, c'est une peinture des femmes. Parce qu'elles peignaient beaucoup. Même, je pense que Yongle, hein, il faisait des parties de peinture avec tout le monde, avec ses enfants. Alors, j'ai réussi à avoir en fait beaucoup d'infos sur le jardin grâce à des peintures sur soie du petit-fils de Yongle, qui est Xuende. Mais je me suis dit, le petit-fils, il a dû jouer avec son grand-père et ça n'a pas tellement dû changer en l'espace de 30 ans. Ouais. Donc, d'après les peintures sur soie, on voit très bien comment c'était fait par rapport au pavillon. Salut, Clampin. Et donc, j'étais surprise hein, parce qu'il y avait ce fameux jeu de Koujou. Qui est en fait du foot. Le football. Et oui. Les filles et les garçons jouent au foot. Non, mais ils étaient trop en avance, ces Chinois. Ouais. Bon, après, il n'y a qu'un seul but. Ah, il est en hauteur. Ouais, en fait. Alors c'était. En fait, c'est du très rugby. Marrant. Alors, Akiza a fait le but. Et au départ, évidemment, la logique pour du foot, c'était faire un but de chaque côté. Et je lui dis non, il n'y en avait qu'un. En fait, il y avait deux équipes de ça. Et c'était Akiza. Ah, ça nous avait manqué, Dame Dodo. Ah oui, ce bruit-là. Oh là là. Oh, moi, je vais sous... Oh, je vais sous le saule pleureur de Pékin. Ah, j'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Est-ce que j'en ai... Je peux t'en donner 30, si tu veux. Oui, il doit y en avoir, là. T'es où? Non. Ah non, c'était dans une shulker. Je vais prendre tes 30 flèches. Bah, t'es où? Attends, j'arrive. Je cours après. Et normalement, je veux pas dire, mais. Je suis dans le temple. Ah je suis dans le temple c'est de la lune. Je suis pas grêche. Attends, je te donne mes 30 flèches. Et moi, je vais voir. Je me mets dans la flotte. Hein. Oh, il pleut. Ah, c'est horrible. Attends. Je dors pas tout de suite. Non, moi je suis sous l'eau. Je suis au fond du bassin. Je crois que c'est bon, tu peux dormir. Ah non, mais je te laisse. Il en reste un. Non, mais il pleut, alors pour le live, ça va être horrible. Ah oui, c'était vrai. Allez, au dodo. Mais qui t'a donné ce défi débile? Je sais plus, ça doit être J1. Non mais ça m'étonne pas. Il est ingérable, notre J1. Hein. Ingérable. Avec des idées, mais alors au secours. Hein. Hop. Avec Lampin dit les cris de Dame Dodo, ça fait penser à la série On va tous mourir. C'est vrai que... Ah, c'est vieux ça aussi. Ah oui. Ah oui. Lynn qui tue le dragon à la carotte. Bon, je vais aller fermer ma porte. Ouais, alors pour cette porte, c'est terrible, hein, parce que moi, j'ai pas trop vu d'image. Bah, on voit que des images modernes, quoi. Mais qu'elle soit double dès l'origine, ça me choque pas parce qu'on est quand même très très proche de l'extérieur et il faut bien qu'il soit protégé Pépère, et donc qu'il soit protégé par une double porte, c'est logique. Oui, surtout que c'est le harem là hein. Ça rigole pas avec les filles hein.
Merci pour le suivi. Je suis tombée sur un texte assez étrange, mais ça c'est assez récent, hein, c'est à la dynastie d'après. Apparemment, certaines dames de cour étaient mariées aux eunuques. Parce que comme ça, ils étaient sûrs qu'elles n'auraient pas d'enfants. Et donc, il n'y avait que les princes et les princesses issus de l'empereur et de ses concubines qui étaient dans la cité interdite. Ah oui, donc les sœurs, les cousins, cousines de l'empereur... Ils étaient dehors. Ah. Bah, en fait, ils s'arrangeaient pour que... Quand les enfants grandissaient, certains princes étaient évacués de la cité interdite pour éviter que l'aîné ait des petits problèmes d'alimentation et s'empoisonne inopinément. Bah, c'est vrai que quand il repense, Pouilly, quand on l'amène à la cité interdite, bah, il n'était pas dedans. C'est le dernier empereur Pouilly, hein, si vous le savez pas. Celui d'Hochefilm. Moi, Pouilly, oui, pour moi, c'est autre enfant. Chose. Oui. Ça se boit. Bah oui, il me semble aussi. C'est pour ça que je me disais, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Bah oui, on est en Chine, là. Donc les empereurs, c'est Yongle, Pouilly, Morgon, Mercure. C'est sympa l'histoire chinoise. Toi aussi, t'as fait pour la Bourgogne, Z. Ouais. Ah, c'est bien parti, bourguignon, c'est bien. Ma femme est bourguignonne, je suis obligé. Ah bah oui. Et puis Amiens, c'était au duc de Bourgogne avant. Voilà. Non, ça a été vite après repris par... Enfin, ça a changé de camp plusieurs fois pendant la guerre de 100 ans. Mais... C'est compliqué l'histoire de là-bas. Ah ça... Ouais, ça c'est bon, donc tac. Tiens, un petit établi ici. Hop, en souvenir. Alors j'ai hésité, est-ce que tu crois qu'il y avait un accès de porte sur le côté ou pas? Je crois pas parce que j'ai refait le chemin. Sur le côté. Il y a des murs fermés. Là. Ah ici, actuellement c'est ouvert. Mais est-ce qu'à l'époque... On peut se... Comme tu as fait les chemins, on va le laisser fermer et puis c'est tout. Oh bah je peux rajouter, hein, c'est pas grave. Est-ce que là c'est l'accès du petit peuple et puis là c'est réservé toujours à l'empereur peut-être, hein, De toute façon ici ne rentrait que l'empereur et sa famille. Ouais. La porte du nord, elle était utilisée par qui? Ça on le sait. En fait c'était par les militaires, non? C'est pas le génie militaire? Bah, l'empereur déjà pouvait apprendre pour faire des cérémonies sur la colline du charbon. Ouais, la colline du charbon, ouais. Qui est donc une colline artificielle avec un parc et un temple qui est juste derrière de l'autre côté ici. Pop 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 pop. Oh mais disons, c'est vraiment bourré de chats ici. Oh, un petit chat noir. Ah ouais. Oh, j'ai tout ce qu'il faut. Viens là, mon pépère, viens là. J'ai des petits poissons. Viens voir, dame d'autre. Oh, il a pas des yeux terribles. Oh, si, regarde, il a des yeux d'or. Voilà. Il va pas se laisser faire. Allez. Je vais arriver, je vais donner juste un poisson et il sera à moi. Eh, Fredo, plus ça va, plus... Il veut. Pourtant, moi, je suis plutôt chien que chat. Hein. Mais bon, là, il veut tuer les chats. Oh.
Et tu lui donnes à manger ou tu cherches à l'attirer? Bah je cherche les deux. Parce qu'il faut lui donner à manger pour qu'il te, il fasse des petits cœurs, c'est ça? Ouais, mais il faut qu'il décide de venir. Regarde, là, il monte son derrière. Ah bah c'est un chat. Hein. Il n'a pas très envie de venir. Hein. C'est un chat. Comment elle s'appelle, ta chatte, Lynn? Flové? Oh, ouais. Akiza. Je vais te kicker, moi. Eh ben, la mienne, elle s'appelle Padmé. Mais en fait, je me suis aperçu qu'il avait deux petites boules qui poussaient. Oui. Comme dans la guerre des étoiles. Enfin, pas les petites boules, bah, oui. Padmé. Ouais. Bah ouais, je trouvais que... Ah, je trouvais qu'elle avait un port d'impératrice, voilà. Et en fait, voilà. Voilà, c'était un empereur. Donc là, on est en train de chercher un nom au chat qui devient un garçon. Heureusement que je vais pas donner la pilule, hein. Mais arrête de rigoler. Ça arrive. Ah tiens, je vais remettre mon casque. Oui, je l'avais enlevé pour faire les mesures de tout à l'heure. Ouais. Moi, j'en ai trois de chats. J'ai cru que t'avais trois casques. Oh, aussi, hein, j'ai toute une panoplie si tu veux. Moi, j'ai fait simple pour les prénoms. Le premier, c'est Titi. La deuxième, c'est Linette. Et la troisième. Et le troisième, c'est Maurice. Alors, attends, t'appelles un chat Titi? Oui. T'aurais dû l'appeler Sylvestre. Ah non, mais oui! Mais pourquoi? Pourquoi Titi? Bah, non, parce que à la base, moi je voulais l'appeler Tiramisu parce que sa robe ça fait penser aux couleurs du tiramisu. Et ma mère, elle m'a dit: oh non, c'est trop long, on l'appelle Titi. Ok, hein. Alors? Pauvre bête, pauvre bête. Tira! Bon. C'est vrai que Titi ça fait bizarre pour un chat. Mais... On a l'habitude maintenant. Moi je regarde Z bosser. Hein. Du coup, là on est à la hauteur. Alors que dans la réalité on devrait. On va le passer à 6 mètres, je pense. Hein. Parce que sinon mes portes elles vont pas faire vraiment monumentales. Alors que là ça pétouille quoi. Oui, puis le mur devait être assez haut parce que c'est. Ah ouais, il était haut. Hein ouais. On garde le harem et on garde. Là c'est vraiment le côté privé de l'empereur. Hein. Ouais. J'aime bien la petite porte avec le cochon là en travers. Je crois que j'ai vu un rominé, ouais. Tout à fait smash. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On monte le mur là? Bah oui, on peut. J'essaie de suivre. Bah, il faut qu'il fasse. Jusqu'où il va ce mur? Il va loin. Il est vraiment un gros creeper. Oh tiens, c'est quoi cette voiture? C'est pas d'époque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une voiture chinoise? Y'a pas de plaque. Attends, je suis en train de me tromper là, il y a un bâtiment au-dessus. Ah non, c'est la fameuse colline artificielle. Ouais. Ouais, Ajax. 7-4 pour la Haute-Savoie. Clip créé par Lynn. Heureusement que je lui ai pas donné la pilule. Une oh non! Ah j'oubliais! Oh non! Ah bah ouais, t'as oublié, ouais, c'est. Bah pour une fois, c'est pas moi, je vais dire. Avec Clampin. Une copie de la Dacia. Non, une copie de la du combi Volkswagen. Mais qui serait fait. Tu vois, pour. Qui doit passer dans une porte de salon. Parce que là. Ah si, c'est une deux places quand même. Si, t'as de la place pour une deuxième personne. Bon,
je pense qu'il va falloir masse. Ça, on va le laisser pour pouvoir redescendre. Je me suis toujours pas fait au comment ça s'appelle, aux échafaudages, mais il faut dire que en fait je finis toujours par en perdre, et donc dès que j'ai plus le compte, et ben c'est galère quoi. Mister Guimauve et salut Barcraft. Oups. Oula. Ah non, me mettez pas par terre, bande de sales bêtes. Oh, brin. Bon, j'étais pas par terre en fait. J'étais tombé sur le petit tour. Ah, le problème c'est que je suis en train de gaspiller mes flèches. Faut que j'attende que de voir leurs yeux. Le vert de leurs yeux. Normalement c'est le blanc des yeux qu'on attend, mais là c'est le vert. Voilà, celui-là c'est bon. Ouais. Ah ça va, en plus ils sont ralentis par les lags serveurs. Pof. Il lag un peu le serveur. Oh. Fredo, tu es dans le nether ? Hop. Je pense que c'est bon. On va faire un petit coup de TPS, tiens. Ah, oui. Ah, j'en vois. 14. Il est en train de planer de l'autre côté de la porte. Ouais, mais j'ai plus de flèches. Ah ouais, il est coincé. Ah, il s'est décoincé. Bon, faut que j'attende qu'il me charge. Ah, il va te viser. Oh, tu l'as tué. Oh, oh bravo. Je suis désolé, j'ai tué. BJ. Alors, bon bah du coup, notre petite montée spéciale. On va récupérer la terre cuite. Le béton, on va le ranger. Pff, on n'a plus besoin a priori du béton. Surtout de la terre cuite qu'il nous faut là. Là, on remonte d'un cran. Non, on fait l'autre côté. Non, on fait l'autre côté. Voilà. Et on fait tout le tour. Est-ce qu'on fait tout le tour du jardin? Bah, devait y avoir une porte sur le côté, de chaque côté. Oui, parce qu'il y avait les petits, les petites allées là. Que les concubines puissent. Parce que là, c'est toute la zone. Il y a 6 habitations de concubines d'un côté, 6 de l'autre. Oh, je suis désolé, je vais être obligé. Et au sud, c'est les enfants. De... Donc, ouais, mais tu peux. Hein. Faudrait que je fasse plutôt comme ça. Ah, zut. Non, comme ça. De temps en temps, la machine, sur ma machine, Lynn, j'ai 3 serveurs installés. Et cet après-midi, il devait y avoir des personnes sur les 3 serveurs. Sur Mats, sur Amiens et sur Tectopia. Et donc, il suffit que la machine ait un petit coup de mou. Et pouf. Ah ben oui, on s'est fait éjecter aussi. Moi, j'étais sur Tectopia et je me suis fait éjecter, je sais plus à quelle heure. C'était avant 16h. Parce qu'après j'ai été goûté, et après goûté j'ai fait ma petite sieste.
Non, après goûter, j'ai été faire autre chose. Faut que je commence à faire des petits plans. Ah ah. Ouais, c'est ça, c'était les serveurs étaient même pas coupés en fait, c'était juste perte de connexion. Tac. De toute façon, la taille des murs, ils ont pas dû beaucoup y changer. Si je passe à l'intérieur. Non, il devait être plus petit. Ah, on les voit pas bien. Je me demande si les murs d'enceinte sont pas plus petits quand même. Non, celui-là, on l'a déjà vu. Hop. Il est là, hein, le mur d'enceinte. Hein. Quoique. Salut Jujux. Juju38X. Bien, merci pour le suivi. Peut-être de l'autre côté. Oula, oula, je suis carrément sorti. Ouf, vache. On va revenir sur. Puis en vue satellite, on n'aura pas de vue. Le problème, c'est la jonction entre donc ce mur-là et celui-là. Hop, hop. Il pourrait être plus petit de quelques blocs, hein. Des groupes de 6 maisons de concubines, c'est ceux qui sont contre ou ceux qui sont complètement au nord contre le mur. Ils sont est et ouest et contre le mur du jardin qui continue. Ah d'accord, donc c'est ces petits trucs là, c'est ces petites maisons. Ça fait vraiment des petites cours. Hein. Mmh. Ah. Non, de l'autre côté, j'ai l'impression que là, t'as tous les chevaux des militaires hein, avec. D'un côté, les bâtiments pour les chevaux. J'ai plus de flèches. Ah si, j'en ai encore une. Je vais te passer mon arc, il est infini. Ouais, mais il a flamme. Bah non. Sinon, je vais brûler tout le monde. Donc ça va t'arranger. Ouais. C'est pas femme. Tiens, c'est... Hop, voilà mon arc. Hop. Merci. Ah oui, c'est celui-là. Infinité. Puissance 5, frappe 2, solidité 3. Ouh, avec ça, je vais battre des records. Ouais, ça rigole pas. Hop. Tu devrais les one-shot. Eh non. Enfin, je l'ai eu de loin. Non, hein, faut laisser Yongle jouer avec ses fantômes. Bah, hein. On a la pluie. C'est pas grave. Tu vas pas fondre. Et surtout qu'il y en a même. 4. Je m'excuse, Fredo.
Et surtout s'il dort toute la journée, non, faudrait peut-être dormir là. On a plus si de il pleut toute la journée. Vite, vite, avant que ce soit trop tard. Deux cœurs. Et non. Oh. Trop tard. Mange. Et là tu dis raté. Je le ferai plus, Fredo. Je suis désolé. Je suis trop méchant. C'est parce que tu me tirais mes fantômes. Il me dit que je peux pas dormir. Bah parce qu'il fait jour. 391. Ouais. Plus que 109. Ça va le faire. Bah ouais Lynn, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il demande Clampin à la 4. Et salut Dimon. Oh bah Fredo, il m'avait fait un arc de brin. Il y en a encore là. On entend encore des bestioles. Comme il pleut, elle crame pas. Bon bah on va attendre, on va se mettre à l'abri puis on va attendre qu'il pleuve plus hein, parce que là on peut plus travailler. Ah il est là. Ah ça y est, il est mort. C'est pas vrai que le Fredo, c'est encore le Fredo qui l'a tué. Qu'est-ce que je fais, je lui en renvoie une autre flèche? Il va mal le prendre. C'est qu'il me tue tous les fantômes pour pas que je puisse gagner mon défi. On va faire un sondage. On tue Fredo ou... Alors le problème d'avoir fait ces petits trucs là, pop, c'est que derrière, derrière ça se voit. Mais bon, si on épaissit la porte, on pourra les cacher. Je pense hein, qu'il va falloir les cacher. Pop, pop. Bon, à l'occasion, j'en parlerai à. Je pense que je vais avoir l'occasion de pouvoir discuter avec. J'en parlerai à Clan. À Aurélien. Au moins, si toute la map, il veut pas donner toute la map. Que je puisse au moins récupérer le Titanic et. Alors le problème des temples, c'est que. Au moins le Titanic. C'est pénible cette flotte, hein. Bon, je me suis pris un arbre. Qu'est-ce que ça fait? Vous l'avez fait de la même hauteur, le... Alors par contre, pourquoi il y a deux troncs de... Deux hauteurs de... Ah oui, c'est parce que c'est pas la même hauteur. Derrière, ouais, c'est pour attraper ça. Ok, ouais. Non, non, il est fermé le serveur là maintenant. On peut plus y accéder. Moi, ça me paraît où le truc. Mais comme il y a les deux de gris, c'est pas forcément choquant. Surtout, ça paraît haut par rapport à ici. Mais si on le fait à la même hauteur qu'ici. Là on a 1, 2, 3, 4. 4, ouais, on serait ici, ça ferait 2 de moins. Alors, je ferme tout le jardin à la même hauteur. Et après, pour alors, on aura un problème de lien. On va bien trouver une solution. Au problème de...
de lien avec le sud, tu vois, pour relier les bâtiments. Ouais, puisqu'au sud, il n'était pas aussi haut que ça. Donc moi, je me demande en fait s'il n'était pas de la même hauteur qu'au sud. Ouais. Et donc, il n'était pas de la même hauteur avec le nord. Il était plus bas que le nord. Ce qui pourrait s'expliquer, oui. Parce que à l'est, ouest et au sud. Et ça pourrait s'expliquer parce qu'en fait, tout le nord, ça ferait comme une deuxième enceinte dans la grande enceinte extérieure, quoi. Ah, donc les côtés est et ouest, on les baisse. Ça semble logique. Ouais. Par rapport au mur nord du jardin. Ok. Allez, hop, baisse. Bonne nuit, Calypso. Concentration maximale, travail de précision. Ouh, décalage, vite. A pu. Hop. Salut Turbo Drum. Je le fasse à l'envers, c'est pratique quoi, mais faut pas que je mette mes blocs trop tôt parce que sinon je tombe dessus. Oh, qui c'est qui a mis une qui c'est qui met des établis partout comme ça là, c'est une honte. Bah voyons. C'est quoi l'adage? Les absents ont toujours tort, un truc comme ça. Ah. Oh.
Ah, pourquoi les dalles en bois ont une texture dorée? Parce que on a changé le ressource pack. Parce que chez Mojang, ils veulent pas nous donner de dalles. Donc nous on a dit, puisque c'est comme ça, eh ben nos dalles on va se les faire nous-mêmes. On voulait des dalles et des escaliers en blocs dorés. Donc on a changé le ressource pack. Et toc Mojang, voilà. Prends ça dans ta face, Mojang. Tu nous fais pas peur. Mais bon, ça serait quand même pas mal qu'ils nous fassent des un peu plus de dalles, un peu plus d'escaliers. Et on va même pas parler des dalles verticales. Qui, paraît-il, ne serait plus des dalles. Pourquoi on pourrait pas mettre... Et je l'ai dépassé, tralala l'air. Oh. Ah, le méchant piège qu'il m'avait fait. On va pouvoir dormir pour faire passer la nuit si vous le désirez. Ouais, pour qu'il pleuve plus. C'est pénible cette flotte. Faut pas faire ça, Lynn. Pendant 5 heures, c'est cool ça. Alors on dort ou on dort pas? J'ai dormi. Ah, ça y est, il a dormi. Tu vois, il est dans les bras de Morphée. Qu'une. Yep. Oh, et puis quelle idée, tu vois, avec les chaleurs, j'ai le lever de soleil en plein dans la face là, en mes yeux. Oh. Oh, c'est bien un peu de soleil. Mm. Enfin, surtout quand t'es en pleine nuit et que t'as. Ah, je vois le Seigneur. Une apparition divine. Hop. Bon. Porte de l'obéissance. Loi. Yeah. Ah, je l'ai pas récupéré l'établi? Bah si, je l'ai là. Nous, ça a été mitigé cochon d'Inde, comme on dit. On a eu du soleil, mais il y avait quand même pas mal de nuages et. Et dès que le soleil était caché, comme il y avait un petit vent, c'était pas tip top. Hein. Puis alors, au niveau du jardin, je te raconte pas tout à un mois de retard. Les légumes poussent pas. Quand ils sont pas moisis ou ils se sont pas fait trucider par les limaces quoi. Pop. Bon, on va regarder un petit peu à l'intérieur comment c'est fait cette histoire. Hop. Donc ça c'est la grosse porte. Donc c'est là-bas c'est la porte du nord. Donc ça c'est la porte de l'obéissance loyale. On voit qu'elle est assez épaisse quand même.
Ce qui, quelque part, nous renseigne un peu sur l'épaisseur d'ailleurs du mur qui doit être assez costaud. Là, par contre, c'est plus petit, hein. Ici, le mur est tout petit. Et on a donc une porte simple ici. Ouais, ils annoncent beau et même de la chaleur, je crois. Hein. Ça va chauffer. Bonne nuit, Carcosian. Ouais, mais du coup, faut. Attends, faut pas qu'on le fasse si épais que ça à cause de. Ouais, parce que par rapport au toit. Ce qu'on va refaire, c'est la même surépaisseur au niveau des petites portes là, comme on a fait de l'autre côté. Et puis c'est tout ce qu'on va faire. Donc on va décalquer. Chercher de la pierre taillée. Normalement, il y en a là. Donc du béton rouge, ouais, j'en ai. Donc tac tac. Oups, je me suis trompé. Hop. Ici, tac, 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 tac. Et au milieu, on va s'arranger pour le masquer, ce truc-là. Ah, quoique, bah non, il va faire partie du truc. Oui, non. Il n'y aura pas besoin de le masquer. Comme il y a ici, hop, un petit toit, un petit rebord de toit. Donc là, il refaut du... faire ça avec de l'acacia, il refaut du bleu. Donc ici, ah, le toit, il va nous enquiquiner. Là, il va falloir péter le toit. Et voilà. Du bleu. Est-ce que je peux sauter là? Regardez le roi du jump. Hop. Oh, joli. Et là, ceux qui aiment le jump, ils apprécient. Là. Ah, je me suis entraîné. Streamer pro. Allez, poup. On le remettra après. On va aller faire celui-là. Ça passe là. Oui. Geste technique de toute beauté. Les juges mettent 9. 10. 9. sur 10. Arcon, je n'ai pas vu, tu peux refaire. Et Albin Ballon nous dit, j'avais jamais remarqué la tête de Creeper sur la terre cuite Sian. Eh ben, pourtant ça fait un moment qu'elle y est. Et eh ben, on a mal négocié notre truc et puis là on va être coincé là. Bon bah tant pis, hein. Hop, voilà, hop. Oh, très très belle descente, bien négociée. Il nous manque un bleu. Terre cuite, émaillée, bleu. Bleu. Donc on va aller positionner ça ici. Et
Il te manque pas trop tes échafaudages, Fredo. Je suis piqué. En fait, je finis toujours par les paumer et après, je sais plus où ils sont. Alors, on habille ça. Là, j'en ai pas mis. Ah oui, parce que est-ce que j'ai mis quelque chose au-dessus là? Ah non, je l'ai pas fini là. Ah, c'est mal. Hop. Non. Donc c'est bon. Donc ici, non, au-dessus. Ouais. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas les échafaudages. Je suis tout le temps en train de tomber. Pourtant, je fais ça dans les règles de l'art, quoi. Mais ils m'aiment pas. Ils me font tomber. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est trop méchant. Ouais, et puis pour se mettre accroupi, faut être dans l'angle. Ouais. Bah c'est un coup à prendre, mais franchement, moi j'y arrive pas trop. Hein. Le gars qui a conçu ça, il les a jamais utilisés en fait. Sûrement. En théorie, c'était cool, dans la pratique, quick. Bah ouais. Bon, comment il a dit? Les développeurs de Minecraft. C'est pas des builders. Sinon on aurait déjà des dalles. Sinon on aurait déjà des dalles verticales. Ah ouais, 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 bah ouais. Allez, les fantômes, viendez. Markcraft, il dit c'est une soirée à thème. Ce soir c'est cascade. Tout est scripté. Ah, de toute façon, tout est toujours scripté. Hein. Il manque un haut de porte. Non. Me dis pas qu'il faut que je remonte là-haut. J'attends les fantômes, moi. Ah, ils sont pas chez moi. C'est pas juste. Ça, c'est encore Fredo qui les a attirés. Hein. Il a dû encore faire des incantations magiques. Il est où? Brûlez-le. Fredo, le grand chaman. Tuez-le. Ah, ils sont où? Ah, ils sont là-bas. Tu vas voir que c'est Fredo. On va y aller voir. Je suis sûr que c'est lui. On s'embête pas. Ah, j'ai de pain. Alors, qui c'est qu'il y a dans le coin? Ah non, c'est Dame Dodo. Ah non! Ah, moi je plonge. Hein. Ah, je vais les tuer, t'inquiète pas. Je te protège. Alors, sinon. Il y a un raid. Col de sushi. Oh, tiens, prends ça. Tiens. Oui, tu fais bien de... Regarde-moi dans les yeux. Tiens. Toi aussi. Tiens. Voilà. Vous en redemandez encore, bande de petits... Hein? Bougre de... Combien j'en suis, là? 394. Ça va être dur. On va même avoir du mal à atteindre les 400. Donc, merci Cold Sushi pour ton raid. Bienvenue à toi. Oh, tu vas aller jusqu'à 400. Oh, facile, 400, ça va le faire. Ouais. Les doigts dans le nez. Ouais.
Et salut et merci Van25FR pour le suivi. Salut Poc Gamer. Par contre, j'ai une invasion. Il y a quelqu'un qui a fait un trou dans la muraille. Oh. Ah ouais. Ah. Ouf. Comment j'ai pu le louper celui-là? Je crois que c'est un... Je pense que c'est un coup de Fredo ça. Paf. Et il peut pas dire c'est Morgan, il est pas là. On va essayer de réparer ça. Discrètement. Voilà. Enfin, mais entre les cochons et les chats, il y a un tigré là si tu veux, dame Dodo. Tu veux pas d'un tigré? Non, moi je veux le petit noir. Oh chouette, il y en a encore. Ah, hein, Kérou. Regarde, j'ai les poissons, mais ça fait rien du tout. Bon, oh, c'est des... Qui tu sais leur a lancé un sort pour m'éloigner les fantômes. Alors, il manquait un haut de porte. Ouais, j'avais pas fini. C'est ce truc-là que vous... Ouais, c'est normal. C'est normal, j'ai pas fini. On va encore utiliser ces cochonneries, là. Ouf, je suis monté trop, en plus. Oh, c'est pas vrai que j'en ai pas prévu assez. Ah. Ouf. Surprise, j'ai même pas vu. Pas les désavoir. Les flèches ah. Les flèches traversent. Si tu veux pas être frais le poisson. C'est pour Dame Dodo que tu dis ça, Archon. Depuis le temps qu'il est dans mon inventaire, c'est pas possible. Et ça plaît pas au chat. Ah bah. C'est difficile, il paraît, hein, au niveau nourriture, ces petites bêtes. Bon, où j'en suis, moi? Il me faut un établi, j'ai perdu mon autre établi. Alors, on va tout installer là. Il me faut des dalounettes. Oh, 42 dalles, c'est bien ça. Oh, j'en entends un, mais c'est pas pour moi. Bon, tant pis. L'arbre gêne. Ouais, on s'en continue à les faire, hein. Alors, on en est où là, à propos de trucs qui gênent? Alors, récupérer l'établi. Je repose ça. Là, il en faut. Non. Il va en falloir un ici, là. Un là, et c'est tout bon. Là, c'est bon. Bonne nuit, Clampin. Bonne nuit. J'en fais quoi de toutes mes tables de craft? Je les perds.
Oh bah elle est peut-être là. Quoique non, ça c'est une à Fredo. Le rouge. Rakam? Rakam le rouge? Du coup ici, si on fait pas de, si on fait pas de porte sur la sortie, on va le faire simple. Hein. Ah j'ai pas de terre. Il y a un coffre, il y en a plein. Oh, faut juste une. Si tu en as, il y a un trou là. Hop. Il y a un trou. Je vais en chercher. Voir chez les trous. Donc les portes ici, bah après il faudrait mettre des portes. Donc là on peut utiliser l'acacia. Alors souvent on les met en position ouverte. Si on veut pouvoir se balader, il faut pouvoir les faire, faut les mettre en position ouverte. Hein. Après, elles étaient comment les portes? Comme ça? Je suis dans le pavillon. Craché. À l'abri? Oui. Ensuite. Ah, mais je vois des flèches enflammées qui tombent, c'est pas normal. Ah, bah c'est Fredo et. Oh non, oui, je peux pas mettre d'acacia. Que je suis bête. Et salut Coco, merci pour le suivi. Après ça fait bizarre comme porte, remarque. Hein. Oh le bel escalier. Ah Fredo, t'as assuré. Mettre au milieu les bétons, la terre cuite rouge. Puis les autres, on peut les fermer. Ah, quoique. Oui, est-ce qu'elles étaient fermées là ou... Non, c'est même pas ça que j'ai fait. Ouh là là là. Fatigué le Z, hein. Alors pourtant est en pleine forme bientôt. Oh fâche. Ouais, ça va aller. Ça va le faire. On va tâcher, on va tâcher. Hop. On va tous essayer de se libérer vendredi soir. Parce qu'il va y avoir du spectacle. Oh bah oui. Allez, on va clouter tout ça. En plus, c'est le 3 sur 3, ça va faire des clous noirs. Ça va faire 9 clous. Ah génial. Ça, hein, pour ceux qui ne sauraient pas encore, le 9, c'est le chiffre magique chez les Chinois. Alors eux, c'était pas 9 clous sur la porte, hein. Mais c'était... Donc si on regarde cette porte-là...
C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangées. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clous. Et là, donc 81 clous. Alors clous, c'est pas des petits clous, hein, c'est pas des clous de 110. Hein. Donc 81 sur un battant, 81 sur l'autre. Pop, 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 pop. Qui peut le plus, peut le moins. Hein. Nous, à chaque fois, on a quand même des multiples de 3. Donc c'est bien. On est... Allez, bon. On est bon, on n'est pas trop, trop, trop mal. Hop, et en plus, j'ai mis tous mes boutons. Voilà. Voilà pourquoi quand on vous dit que c'est scripté, c'est pas des bêtises. Je savais précisément... Mais ils sont pas dorés. Non, je les ai mis en acacia. Mais ils sont dorés normalement. Là, ils sont sombres. Hein. Bon, ils ont peut-être besoin d'être briqués. Bon. Ok. Bon, ils sont allés en acacia. Oui, ça fait un petit peu de changement de temps en temps. Alors, de l'autre côté, petite portounette. La structure, le portique au-dessus, il est imposant. Mais la porte en elle-même, elle est vraiment toute petite, petite, petite. C'est plutôt une porte symbolique, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que moi, j'avais fait comme ça, mais... comme il y a un petit retrait là, ça, en fait... Alors... Là, c'est vraiment petit, ce serait du 2 blocs. Et ici, bah, du coup, je pense que c'est pareil, hein. Vu qu'on ne fait plus les portes. Hop. Ah, tu peux faire les portes sur le côté si tu veux, hein. C'est plus logique qu'il y ait des portes sur les côtés quand même. Et salut Diane, merci pour le suivi. Bienvenue sur la chaîne. On a qu'à faire voter. Faire voter un petit sondage. Bah oui, sur le côté ou pas sur le côté. Moi ça me semble logique qu'il y ait sur le côté. Bon, hop. Alors, allez, porte. La marmaille des enfants, hop, par là. Ah, l'empereur Yongle, par ici. Ah, concubine 98, par là. Ah, concubine 77, par là. Hop. Attends, 1997, selon la légende, il en avait 2000. Hein. Ouais. Allez, hop, c'est parti le sondage. Quoi qu'on fait. Porte sur le côté. Oui ou non. Téléphone, t'es où que je vote? Je regarde, moi je suis moderne, voilà. Alors, je vais arriver, j'aurai pas le temps. Bah ouais. Parce qu'il faut que tu lances l'appli, il faut qu'il se connecte, il faut que tu trouves du réseau. À voter. Ah, mais dis donc, il va vite lui. On sait ce que t'as voté en plus. Oups. Il y a qu'un seul nom et ça fait un moment qu'il y était. Ah non, c'est pas moi. Ah non, 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 il y était déjà, je vous le jure. Oui, il y était déjà, donc on sait que t'as voté, oui. Ah. C'était quoi la question? Est-ce qu'on met des portes sur les côtés? Du petit sas, de la petite barbacane, qui n'est pas une vraie barbacane. Ouais, une fausse barbacane, gentillette. Histoire de... Donc c'est oui. La réponse à la question est oui. Avec une très grosse majorité. Donc on fait les portes. Grosse majorité. Donc on fait des portes. On va faire des portes là et puis des portes. Bon, des petites portes. Hein. Des portinettes. Hein. La barbacane. Jean-Gis. Oula, c'était quoi ça? Ça, c'est mon téléphone.
C'est atroce comme sonnerie. Ça me fait plutôt penser à un réveil, ça. Tu sais, pour histoire de bien te réveiller, parce que des fois, t'as une sonnerie de réveil, elle te réveille pas assez, quoi. Elle est rigolote. Alors, si cette porte est d'époque, elle est quand même rigolote, parce que vous avez vu que là, il y a trois crans de toit. À mon avis, on va pas pouvoir la faire. Bon, là, il y a le petit retour du petit muret qui est égal ici et ici. Tac, tac, tac. Ah, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je me le mets en exemple. Donc, le petit muret, on a dit qu'il faisait 2. Donc, il arrive ici, tranquillou, peinard. Et donc tac tac tac. Ouais, ici il fait même comme ça, quoi. Donc ici pouk pouk. Alors de l'autre côté il va faire probablement la même chose. Et là il monte un petit peu. Ouais, on va faire comme ça. Est-ce qu'on met 2 coups de bleu? Et encore leur petite... Ouais, ça serait plus du gris. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé le gris quand ils faisaient leur fresque dans le bâtiment ici. C'était du corail tubulaire mort. Où il est le corail mort, tubulaire. Ah, tubulaire à bulle. Non, ça devait être du tubulaire. Ah, non, ça devait être du bulle. Ouais, c'est ça, c'est du bulle. En fait, le tubulaire, il fait plus bulle. Enfin, bon, pas grave. Oui, de toute façon, du tubulaire, il n'y en avait pas beaucoup. Oh, bah alors, Marc, il m'en faut 4. Hein. Et il m'en faudra 4 de l'autre côté. T'as le même son, Lynn ? T'en as d'autres? Non, ça va aller, il m'en faut vraiment pas beaucoup. Ça va aller, merci. Hop. Donc là, tac. Tac, tac, tac. Et tac, tac. Ah, et là, on monte encore... Ah non, non, ici, il aurait pas fallu monter, en fait. Pour avoir les fameux... Ah bah si, pour avoir les 3 étages. Ça va faire spécial, hein. Je vous cache pas que... On va dire que c'est un test. On fait un test, hein. Si c'est moche, on détruit tout, et puis... on trouve un bouc émissaire. Pour tout lui mettre sur le dos. Eh non. Il va répondre, c'est pas moi, c'est Mangan. Ouais, cool. Ils sont où? C'est pas vrai qu'ils sont encore en train d'attaquer Fredo. Ah non, c'est Dame Dodo. Pauvre Dame Dodo. Venons défendre. Et j'arrive pas à les toucher. Il est passé derrière pour les prendre. Ah. Ah, quand même.
Oh. Ils ont un drôle de mouvement parce que... Comme il n'y a pas assez d'espace... À se retourner, normalement c'est bon. Il n'y en a plus. Si, il y en a encore un. Oh. Ah, quand même. Alors, regardons un peu les statistiques. Bon, j'ai dépassé 400. J'ai dépassé les 400. Je suis pas méga fan hein, de. Alors, sur porte de 2, c'est pas évident. Hein. On va essayer de caser... Ah, j'en ai plus. Deux acacias. Il en faudra quatre si ça marche. J'ai de la terre cuite, sion. Salut, Plasma Hawk. Salut, salut, Creeper de Paris. Oh, joli. Imperturbable. Ou alors la co est gelée. Ah non, elle est au téléphone. Bête. Heureusement qu'on est là pour la protéger. Hein. Après les acrobaties, ouais, de la romance, le pro-chevalier qui porte secours à une dame en détresse. C'est tout à fait ça. Enfin, c'est ce qui est écrit dans le script. Après, ça va être moche. Oh, ouais, surtout si je fais comme ça. Ah, je sais à combien? 6? Oula. J'arrive pas à les viser. Allez, arrête de bouger. S'ils suivent pas une trajectoire normale. Et il en est sorti combien là? Un certain nombre. Hein. C'est bon pour les stats ça. Là, je tire trop.
dire qu'à une époque on en avait peur. Oh vache. Il y a un bug là. T'as fait un truc au serveur, Fredo? T'as eu de la chance de pas mourir parce qu'on en est au 50e fantôme qui vient t'attaquer. C'est vrai? Ah, ils sont un certain nombre. Hein. Oh, moi je récupère les cerveaux. Les membranes. Voilà. Ouais, les membranes. Je pense que là ça a tapé. Hein. 416. Ouais. Faudrait dormir, dit Creeper. Bah allons, ouais. Bah non. Et le défi. Puis là, comme il spawn par centaines. Moi, je reste derrière Z. Ah bah Fredo, t'as mal aux chevilles. Je l'ai eu. Waouh, ça c'était joli. Salut Oukari. Ah ça va, Creeper. Il y a un nid, dit Marcraft. Ah, c'est pas impossible. Et Arcon dit, j'ai bien cru que tu allais mettre une flèche dans dans le dos de Dame Dodo. Non, Dame Dodo, comme elle est en rouge, j'arrive à l'éviter. Par contre, Fredo, il est plus camouflé. Et du coup... il me donne encore un. Du coup, Fredo, ouais, je lui balance plus de flèches. Je sais pas pourquoi... Ouais. C'était une nuit productive. Hop, il est trop loin sûr. Il va revenir. Et il va cramer. Ouais, pas mal. Ouais, il crame. Le live ne s'arrête que quand il y a 600 fantômes. Non, l'objectif c'était 500. Hein. Oh, il y en a toujours un. Encore? Oh, il va cramer avec le jour. Hein. Ah. Ah bah il y a encore un autre. Ah dis donc. Hein. 423. Ah bah là il spawnait par dizaines. Alors, c'est absolument moche ce truc. Ça me plaît pas du tout. On va pas réussir à faire rendre les trois étages. Ah, il y a un pavillon ? C'est la première fois que tu viens sur les streams maths, donc une courte explication serait bienvenue. Une courte explication. Disons que c'est une série qui a démarré au 10e siècle. J'ai construit une motte castrale avec un petit donjon en bois qui a cramé. Et donc au 11e siècle, j'ai construit un donjon en pierre. Et ainsi de suite, je me suis dit, tiens, tous les siècles, on pourrait construire quelque chose de nouveau. Donc on a fait le 12e, une abbaye, le 13e, une cathédrale. Le 14e, c'était la guerre de 100 ans, on a fait une muraille tout autour de notre ville. Et au 15e siècle, c'est la fin de la guerre de 100 ans. En Europe, il se passe plus grand-chose au niveau construction, parce qu'il n'y a plus de pognon, hein, la guerre a tout mangé. Donc on est en Chine. À la cité impériale qui a été construite, donc la cité interdite de Pékin a été construite au 15e siècle.
sur l'espace de quelques années, hein. Ça a été très très rapide. Ils sont forts. Et donc voilà. Voilà le principe. Donc, tous les pour chaque saison, un siècle, plusieurs constructions, hein. Bon. Du fait d'Olicube, je vais mettre la série en vacances pour ma part. Les autres Matt-sœurs, Ouais, nous on va bosser. vous allez bosser, vous continuerez de bosser. C'est ce truc-là qui va pas parce que c'est trop gros en fait. Qu'est-ce qui est trop gros? La porte là? Ouais. Le bourrelet rouge. Alors que normalement, ben, remarque, je pourrais mettre des dalles d'acacia. Et donc, à la fin d'Olicube, le Mats, parce qu'on a quasiment fini, hein, la cité impériale. Enfin, du moins, moi, ce que je voulais faire, c'est-à-dire l'axe nord-sud, les bâtiments annexes à côté. On verra. Pour les Voilà, rajouter Frélo! après. Il est coincé dans le mur? Ah, heureusement! Il avait un pied! Oui! Un pied dehors, un pied dedans, le pauvre! Ah oui, tiens, d'ailleurs! Oh, Dodo, j'ai trouvé un chat! Oh là là, le pauvre! Il était encastré dans une statue! Enfin, il faudrait que je t'envoie le screen. Il m'a fait de la peine, le pauvre petit chat. Et donc à la enfermer un chat dans une statue. Ouais, pauvre bête. Et donc à la fin d'Holicube, eh ben après quand Holicube sera terminé, on redémarrera la saison 7 de Mats. Ouais, ça fait peut-être un peu mieux, non? 17e siècle. Oui. Non, 16e. 16e. 16e, 16e. Saison 7, 16e siècle. Oh non, on saute pas la Renaissance quand même. Non, Voilà. non, bah non, on va On pas. va renaître. Ah, le tubulaire. Ah, il est là. Donc le live se termine vers minuit moins le quart. Ce qu'on va faire éventuellement, c'est à 23h30, donc dans un quart d'heure, on se retraversera. Tiens, je mettrai les shaders, on se retraversera la cité interdite, donc toute la partie qu'on a construite. Et on ira à Zedania pour voir un petit peu les petites choses. On a quand même fait des petites choses en Occident, dans notre ville française. Mais c'était pas des grosses constructions comme on avait pu faire au 13e avec la cathédrale par exemple. Hop, il faut que j'aille chercher du bois. Et salut. E.A. ou Denier. Alors c'est intéressant comme truc parce qu'on fait de. Ça nous fait des petits rappels en histoire. C'est du chêne que je cherche. Ah, il est là. CRP. Si, si. CRP. Et c'est une bonne tranche de rire. Oui, on rigole bien. Avec Dodo quand on fait la déco. Oh là là. Oh, on n'est pas fermé. Continuer le chemin comme ça. Ce qu'il y a, c'est que du coup, il est un peu bancal, non, le chemin. C'est pas grave. Bof.
J'aurais préféré une porte soit de 3, soit de 1, mais ça va déséquilibrer. Donc on laisse comme ça. Je vais mettre des plantes. Voilà. Wep. Pop, pop. Grégard a mangé sa part de gâteau au chocolat. Non mais, hé. Il y en a qui se sont fait ban pour moins que ça, hein. Voilà pourquoi. Voilà, j'en ai plus assez. On est tout le temps en train de les perdre, ces échafaudages. Voilà. Bon, on a fait les deux petites portes. Donc il va nous rester la porte principale. Donc là, pop, pop. Enfin, la porte principale. Victo PMR, merci pour le suivi. Hop. C'est celui-là qui est pas bon. Là. Oui, en fait, j'ai surélevé, c'est pour poser ma lanterne parce que c'était rouge. Ah. C'est clair ce que je raconte. Ah oui, ici là. Tu vois, j'ai. Ouais. Je préfère à cette hauteur-là. Hein. Ah, parce que non. Du coup, ouais, tu mets comme ça. Ce que c'est qu'à l'intérieur ça va faire bizarre. Hop. Va falloir faire de pareil de l'autre côté, non? Oui. Oui, oui. Donc là, pareil, hop, pour poser une lanterne. Les textures modifiées, c'est unique au projet. Ouais, ouais, c'est à la base, c'est le Sama Faceful. Avec, bah, tu verras lors de la visite, il y a quand même pas mal de textures modifiées. Ouais. Surtout les vitres. Il nous fallait des ardoises aussi. Donc ça, c'est la brique du Nether qui est morflée. Bah donc faut faire pareil de l'autre côté. Également, comme pour le béton rouge, on voulait des escaliers et des dalles. Donc ça, c'est du bois d'acacia. On voulait aussi faire les... Comme on a démarré en 1.12, on voulait un espèce de marbre un peu différent de la diorite. Donc on, là, c'est du bois de bouleau modifié. Donc il y a trois... Alors si on veut le voir, quand il y aura la map, il faudra forcément Optifine. Parce qu'en fait, c'est des changements de texture avec le selon le biome. Et donc, il n'y a que Optifine qui permet de faire ça. Oh, il est de l'autre côté. Il se cache derrière l'arbre. Ça... Ah, il se cache derrière Fredo. Oh, je l'ai...
Plus ça va et plus je tire mal en fin de. Non, je fais pas exprès d'attendre qu'il ait tapé Fredo. Hein. C'est vraiment que je tire mal. Quoi. Voilà. Il m'a quand même fallu une dizaine de flèches pour l'avoir. Hein. Ouh là 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 là. Alors, j'aimerais bien quand même finir ça. Ça c'est une cour ouverte. La cour est ouverte. Y a pas de toit, si? Où ça? Là, dans la barbacane. Ah oui oui, non non, y a pas de toit. C'est ouvert. Hein. Mm. Alors ici, la porte, elle, ouais. Encore. Un, non, ouais, il est bloqué derrière la porte, la grande porte. Oh, je l'entends voler. Ah, il est là. Ouh, il nous a fait un passage. Il fait du rasmot. Ouais. Voilà. Wow. Zigouille. Alors. Il y en a encore. Oh, vache. Alors, bah, faudrait qu'on finisse le projet là, vous êtes gentils, les bestioles. Bah, il morfle Fredo. Oh, mais il y en a combien encore? Ah, mais c'est. 6. Béton. Donc ça c'est un chouille. Toujours un peu à étage. Donc ça c'est un chouille plus haut. Et là on va mettre du bleu. De bleu. Pas bleu, sien. Enfin, c'est bleu, mais. Oh, pardon. Oh, oh. Oh, pauvre Fredo. Je te visais même pas. Il a reculé de 3 mètres d'un coup. Bah, il l'a un peu pris à bout portant, quoi.
reste encore un. Ouais. Normalement, c'est bon. Alors, j'ai du bleu. Ah oui, j'ai un peu perdu au niveau vie. Hop. J'ai mis le bleu où ? Ici. Il y a du gâteau, si tu veux récupérer. Ah non. C'est bon pour le défi, mais alors pour la construction... Mais j'ai l'impression qu'il pop tout le temps, là. Normalement, c'était... le soir, et puis au petit matin, et puis voilà, deux fois. Pop Fredo. Mais il y en a combien là? C'est vraiment pas évident. Hop. Ouf. Ouais, Creeper, la texture changée par biome, c'est pour éviter la contrainte d'avoir cette texture là, qui est des textures de bois sur tout le reste. Donc c'est forêt fleurie qui avait été choisie pour parce que c'est un biome assez rare. Bon, on va mettre hop, ça. Hop, hop. Donc ça va faire du bien d'avoir le jour. Ça a l'air. Pourquoi ? Web. Plus de. On se termine cette porte et on va faire un petit tour. C'est parti. On peut faire le même décalage que là-bas. C'est-à-dire ici... Et ici on fait un décalage. Oh, c'est pas vrai. Ah oui, c'est bon, je peux voir. Chaîne. Pop. Qui c'est qui creuse?
C'est moi. Je fais le sol. Et tu sais, Fredo, c'est les grosses boules violettes de l'Inde. Les chorus. Oui. Des trucs cuits ou pas cuits, là ? Fleurs, mais il y en a pas. Bah, tu sais, comme tu m'as donné tout à l'heure pour faire mes choux. Ah, mais tes choux, c'est carrément des blocs de fleurs de chorus. Oui, c'est ça. Mais t'en as plus ? Non, j'ai tout usé. Vous pouvez pas les faire pousser, ça ? Je dois en avoir encore au port, mais... T'as pas beaucoup de chance d'en avoir. Enfin, si tu fais pousser un arbre, tu peux en avoir 2-3, mais après, ça prend du temps aussi. D'après, non, va pas au port, Dodo, ne va pas. Oh bah non, j'y vais pas, hein. Moi, je reste avec Zed, hein. Je vais vous rejoindre en Chine. Bah oui. Voilà. Je prends une pierre deux coups. Qu'est-ce que je prends ? Le vibrant, hein, c'était celui que je prenais à une époque. Faudrait pas mettre des dalles de béton rouge sous le truc bleu. Non, souvent ce qu'on pouvait mettre, c'était des... Il est très brillant, celui-là. C'était des trappes d'acacia. Oui, il pétouille donc, en pleine journée. Mais bon, là on va pas pouvoir en mettre parce qu'on a mis des boutons. Mais ici, on peut faire des trucs dans ce style là. On aurait pu d'ailleurs. Mais bon. Hop. J'ai un peu rangé mon... Alors, acacia. Tac, tac, tac. Ah, c'est super, Fredo. Un stack. Bah, reste à la porte du nord, j'arrive. Reviens pas, c'est Daniel, il repart pas. Un seul, même pas, une, même pas une shulker pleine. Il préfère tuer justement les shulkers pour... le corail, c'est ici. Broche et pierre taillée. Hop, dalle, c'est ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le reste, je vais le garder. Ah, j'ai du chêne. C'est pas la rose noire, la fleur interdite. Ok, Dak. Bon, ben, on va aller se faire un petit tour pour terminer en beauté. Donc, pour moi, le un tout petit tour, hein, parce qu'on refera une rétrospective complète au début de la saison, de la 7ème saison, donc du 16ème siècle, qui redémarrera a priori après Holicube, à la fin d'Holicube. Allez, tiens, je vais récupérer ça, c'est dans le chemin. Donc, on va se traverser la cité interdite du nord, hop, avec les douves. Bon ben Fredo, rendez-vous porte sud alors. Ah mais tu remontes Z, non? Hein? Tu remontes ou tu redescends la cité interdite? Mais redescends. Je vais redescendre, okay, je vais vers coup, le sud. Je vais pour la montrer. Bon, ok, y en a, ils connaissent pas. Du coup, va porte sud, Fredo. Holicube risque de durer longtemps, ça on peut pas prévoir. Hop, donc là, on vient de passer les deux portes qu'on vient de construire. Donc là, on est dans le jardin impérial. Hop. Pas tout à fait fini, mais bien avancé. Il est passé 23h, donc maintenant on peut expliquer. Dame Dodo va nous expliquer à
à quoi servaient ces deux plateformes, hein, puisque c'est symétrique. Oh, il y en a une par ici. Oui, c'est Feng Shui. Donc il y en a une autre là-bas. De l'autre côté, il y a Est et Ouest. Alors, à quoi pouvaient bien servir ces petites plateformes? Alors, ce sont des plateformes qui doivent être absolument en plein air. Ça, c'était absolu. Et ces petites plateformes, en fait, l'empereur était obligé d'honorer une de ses concubines tous les soirs de pleine lune. C'était obligatoire. Voilà. Donc là, au sol, j'ai mis l'emplacement du lit, parce que je pense que bah, il devait quand même lui mettre un lit, et il fallait qu'il soit tourné vers l'est, parce qu'il a un QA de 4, et donc l'est, c'est amour et fantaisie. Voilà. Voilà pourquoi il y a des plateformes, et c'est en plein air. Voilà, voilà. Et j'ai vu qu'actuellement, il y a toujours les plateformes. J'ai vu une plateforme dans le jardin impérial, mais apparemment, le côté plein air ne devait pas vraiment plaire quand il pleuvait ou quand il neigeait. Donc, ils ont fait une sorte de petit pavillon avec un toit en dessus. C'est trop mignon. Mais là, là, Yongle, hein, c'est du costaud. C'est en plein air. Ouais, ouais, voilà. Bah ouais, c'était le... Retour aux racines. Ouais. Quand on vous dit que grâce à Mats, on a appris plein de choses sur l'histoire, c'est pas des bêtises. Ouais, donc... Et même les histoires dans la culotte. Voilà. Alors, porte de la tranquillité terrestre, palais de la tranquillité terrestre. Ouh là, ça fait fort rouge avec les shaders. Pop, pop, pop. Là, c'était un palais où ils calculaient ils mesuraient le temps grâce à des clepsydres. Donc c'était des bassins d'eau qui se vidaient. Tout était calibré pour qu'ils se vident en un certain temps, ce qui leur permettait de connaître l'heure précise du jour et de la nuit. Et de la nuit. C'est là où c'est complètement différent d'un cadran solaire. Oui. Ils connaissaient les heures de nuit. Donc ça, c'était les chambres de. Oh, il y a eu un souci là. Oh, quelle horreur! Vite, attends, j'en ai. Ouais, j'ai tout rangé. Voilà. C'était les 27 lits. Pas 20, au début, nous, on pensait que c'était 27 chambres. Mais c'est les 27 lits de Yongle. Ils ne dormaient jamais dans le même pour éviter les assassinats. Un petit peu paranoïaque, le gars, quand même, hein. Donc on continue d'aller vers le sud. Donc ici, en sortant, là on était dans les parties privatives de l'empereur et de sa famille. Donc ici, il n'y avait que l'empereur, sa famille, les concubines et les eunuques pour les servir. Passer cette porte, on passe dans la partie plus publique où il va y avoir des fonctionnaires, des militaires, quoiqu'il y avait peut-être probablement des militaires qui devaient le garder aussi de l'autre côté, mais là on est plus dans la partie publique, donc on voit que là-bas c'était un peu plus intime, un peu plus petit. Ici c'est les grandes les grosses places, les gros palais. Donc c'est ici qu'il s'habillait, c'était une des salles où il pouvait s'habiller, où il s'habillait quand il allait après à des réunions ou différentes cérémonies. C'est pour ça qu'à chaque... Alors maintenant il y a des trônes dans tous les trucs, mais dans tous les palais. Et là c'est le plus gros. C'est le palais de l'harmonie suprême. Ouf. Avec les lumières de redstone, ça. Waouh! C'est beau! Avec son super trône. Tatatan!
Et les colonnes dorées. Et les colonnes dorées, ouais. Donc, ça, c'est tel qu'il est maintenant. Au 15e siècle, il était beaucoup plus grand. Mais il a cramé plusieurs fois parce que, comme c'était tout en bois, à chaque fois qu'il y avait des orages ou autres, ça mettait le feu. Donc, il a cramé 6 ou 7 fois, je crois. Et au bout de la. Enfin, au bout d'un certain temps, ils ont plus réussi à trouver les arbres suffisamment grands pour faire la structure, pour faire les poteaux. Donc, ils l'ont reconstruit en plus petit. Allez, on va aller vers le sud, toujours vers le sud. Vous remarquerez que nous, on est sur les côtés, hein, sur les escaliers de côté. Hein. Ouais. On prend pas l'escalier de Yongle, on veut pas se faire couper la tête. C'était fouetté, je crois. C'était le fouet quand il prenait pas les bons parcours, je crois. La partie du milieu était réservée à l'empereur. C'était très 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 codifié leur manière de vivre. Et là on va arriver dans la place, juste la première place. Là il va y avoir la porte du midi, donc c'est la cour aux eaux d'or. Parce qu'il y a une rivière artificielle qui traverse toute la cité interdite. Hop, qui est là. Et il l'appelait la rivière aux eaux d'or. Peut-être qu'à une époque, elle était dorée. Alors, ils n'avaient pas les paratonnerres. Alors, nous, on a fait ça de manière stylisée, en haut de chaque chose. Et il y en avait beaucoup aussi sur les bouts. C'était des petits dragons. Et alors, on peut dire que c'était décoratif, mais surtout, dans leurs idées, c'était que ça chassait la foudre. Ça faisait office de paratonnerre. Donc normalement, voilà. Il me reconnaît et il s'ouvre. Et là, on sort de la cité interdite, c'est la porte du midi. Allez, on va les prendre le 23h46. Ouais, magnifique. Ouais, on aurait pu aller voir d'en haut. Alors, il doit y avoir une. Si je me souviens bien. Ah, chouette. Avec les shaders, ça doit pas être évident, Marc. Ah, ouais, il brille dans la lune. Ils sont radioactifs. Ils sont radioactifs. Akizet est en train de tirer sur Fredo là. Alors il y avait un passage qui devait être ici. Ouais, c'est ça. Hop. Hop. Attends, les mecs qui sont coincés sous la charpente. Attends, je suis perdu. Attends. Là, ils sont là. Sur la terrasse, juste au-dessus, attention. Hop. Il faudrait vraiment se balader partout, hein. J'ai l'option où il retient les blocs, les chunks où on est passé, mais comme il n'a pas activé les chunks, tous les chunks de côté, alors on voit toute la cour aux eaux d'or. Hop. Alors on va aller finir le live à Zedania. Alors il y aurait beaucoup beaucoup à montrer, mais je pense qu'on fera un live spécial. C'était ici hein, qu'on était passé. Un live spécial où on fera le tour de toutes les constructions
Un super live world tour. De 6 heures, attention. Tellement de trucs. Non, 3 heures ça devrait aller, mais. Oh, j'aurais dit un bon 4 heures quand même. Si on explique un peu. Ah, le soleil il pétouille avec les shaders. Hein. Alors tu vois, ça serait à refaire. Il faudrait calculer les coins pour qu'ils apparaissent dans la limite des 10 chunks de vue. C'est super. Ce coin là c'est bon. Et l'autre là-bas il se charge pas. Voilà, il faut qu'il y ait un volontaire qui aille le charger. Il en manque encore un petit bout. Ah ouais, comme ça. Vous êtes bien lâché au niveau déco du Nether. Hein. Fâche. Ah ouais, comme ça, on voit le petit bout de nuage. Il y avait un petit bout de nuage là-bas. Un mois de taf. Vache. Bravo. BJ. Ah, ici aussi. Déjà disparu. On a dépassé un Fredo sauvage. On va se taper un Big Ben. Accident. Ah, zut. Le pire après, une fois que t'as fait un tour comme ça, c'est que tu dis est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, c'est bon. Hop, on anticipe le virage. Ouais. Pardon pour le bruit. Des fois c'est très lumineux, des fois c'est sombre. Ouais, surtout qu'on ressort de nuit. Ah non, c'est la matine. Il est 6h du matin. Ah, ça va être le lever du soleil alors. Oui. Et salut Florent le BG. Le beau gosse. Oh là là. Attends, j'ai loupé la. J'ai loupé la ruelle. Ouais, c'est par là. On va aller. Qu'est-ce qu'on a fait? Le palais Jacques Coeur. Ah, il y a des pilleurs. Des quoi? Pilleurs? Non. Dans la ferme à. La ferme à PNJ. La ferme à PNJ? Derrière. Attends. Quelle horreur. Ouf. Mon seau de lait. Ouais, bon. Ouais, ouais, ils sont dans. Dans la nurserie. Ah! Je vois qu'il y avoir trop c'est de des bébés. Des bourguignons, hein. Ils nous attendaient. Pardon. Ouais.
les sales bêtes. T'as pas la malédiction? Non. Bon, c'est les flammes qui l'ont tué alors. C'est quoi ce truc là? Un mur de terre. C'est pas joli, hein. Alors après on fait ouais c'est la chaîne du repeu nous les colonnes de bouse on n'est pas trop pour. Paf, tu fais la visite, tu tombes sur quoi? Là. Ah, on a fait une brasserie. Il faut qu'on monte la brasserie. Il en est fier. Une reconversion de moine réussie. Donc au passage, on reviendra la voir tout à l'heure, le palais Jacques Coeur. Et donc en annexe de l'abbaye, ils sont construits l'abbaye de Zef. Donc tout ce qu'il faut pour brasser. Et du coup, ils ont maintenant une superbe superbe réserve. Voilà. Il y a de quoi tenir un siège. Les Anglois peuvent revenir. Ils vont abîmer tous les jardins, les sales bêtes. Ah. Ouh, soleil. Alors, le palais Jacques Coeur. Pouvoir de l'argent. Hop. Donc, par exemple, la texture, on s'est amusé avec ça, là. Avec ces blocs-là. Blocs connectés. Bon, puis les fenêtres. Les toits en ardoise. Ah, je crois qu'on monte tout en haut, là. Plein de trucs à voir, hein, de toute façon. Ça, c'est les combles? Oui. C'est marrant, ouais. Je me souvenais pas qu'on avait fait un truc dans ce style-là. Ah zut, j'ai encore le pack chinois. Il faut que je change de pack. Ouais, c'est tout, il suffit que j'enlève l'autre. L'Empire nous a envahis. Voilà, on est plus dans l'occidental. Par contre, avec les shaders, ça fait plus les carrés, les luminosités sont moins bien gérées que sans shader. Donc petit palais pour pop, plein de pioles. Les portes sont fermées, elles sont ouvertes. Ouais, que le gars il payait pas le chauffage. Hein. Donc d'un gars qui s'est enrichi en faisant du commerce, en prêtant de l'argent au roi, et quand il a fallu lui rendre, pouf. Ils l'ont arrêté, ils l'ont banni. Ils ont récupéré ses propriétés, ils l'ont bien sûr pas remboursé, et c'était tout bénef. Il y a les cuisines où on brûle. Oh, je vois pas de quoi tu parles, Lynn. Il y a aussi des toilettes où l'on tombe dedans. Ouais, il y a aussi les latrines. Il faut faire attention aux latrines, Lynn. Oui.
Donc après, comme autre gros truc dans la ville, c'est le palais épiscopal. Donc là, il faut retourner à la cathédrale. Donc après, le pouvoir de l'argent, le pouvoir clérical. La mine, on l'avait fait quand ? On l'avait modernisé en début de saison. Ouais, on l'avait fait, on l'avait modernisé en début de saison, ouais, pour la rendre un peu plus repeux avec ce qu'on appelle maintenant une roue d'écureuil, mais à l'époque on appelait encore un engin de levage ou un tympan, ou il y avait plein de termes. Donc beaucoup de maisons. Le moulin qui est toujours là. Ah oui, on avait fait aussi un sympathique petit marché couvert. Il était où? Il était de l'autre côté, lui. Ah, voilà, on voit la dame Dodo. Hop. Sympathique petit marché couvert. Pop, pop, pop. Bon, là, c'est pas jour de marché, donc... Alors, pour la cathédrale, bah c'est par là. On voit qu'on doit pouvoir aussi y aller par là. Ah bah ouais, on la voit là. Salut Fallon, voir. Merci pour le suivi, bienvenue sur la chaîne. Poup poup poup, voilà. Les chunks se chargent parce qu'elle est grande, hein. Pouf. Et c'est de la survie. Ouais. Je tiens à le dire. Hein. Oui, 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 fait en survie avec les échafaudages et tout. Je sais pas si j'aurais le courage de le refaire. Alors, elle est là la porte pour aller au palais épiscopal. Donc il a son entrée privée, hein, l'évêque. Hop. Son petit cloître pour se ressourcer. C'est de la méditation à la Bouddha là. Bah oui. Ah, il ouvrait ses chakras, ouais. Hérétique, hérétique. Oh, j'aurais plus dit paganisme pour le coup. Et donc là son petit palais, donc inspiré des palais d'Évreux et de Beauvais qui sont très semblables. Voilà. Ça fait sympa avec les shaders. Hein. Bon, on n'en montre pas plus ce soir. Oui, il est minuit, on va arrêter le live. Donc, sur cette série-là, je vous donne rendez-vous après Holycube. Et on se fera un live spécial pour voir ce que les maths auront terminé. Et puis ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas vu, hein, parce qu'il y a des projets. Il y en a un qu'on a montré, hein, c'est la sépulture, le. Non, pas sépulture, comment on peut appeler ça? Le mausolée. Le mausolée de Yongle. Mais il y a d'autres projets dont
dont on vous a pas parlé et qu'on vous montrera à ce moment-là. Donc on se fera un live spécial où on vous fera découvrir tout ça. Du coup, c'est vrai que les 3 heures, mais on ira assez vite. On ira assez vite sur Zedania. Parce qu'il n'y aura pas plus de choses. On passera un petit peu plus de temps sur la Cité Interdite et après on ira voir les petits projets de. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non mais arrêtez vos bêtises là. C'est pas vrai. Il aurait fallu faire pouf, disparition. Puis hop, vous disparaissiez. Mais c'est que pour sorcière. C'est que pour elle. Pouf, disparition. Voilà. Ok, d'accord. Eh ben, je vais remercier tous les matseurs. Des gros bisous à vous et bravo et ah. Baston. Ah, il y en a combien? Et tu nous donneras ton chiffre, hein, Zed? Mon chiffre. Avant de fermer le live, qu'on sache combien. Parce que là. Ah oui. C'est Armada, hein. Ouais, mais il y en a plein, c'est pas moi qui les tue. Attention derrière vous! Statistiques, créatures. 453. Ah, on n'était pas loin. Peut-être que je repasserai de temps en temps faire quelques nuitées histoire d'arriver aux 500. Après, vu le taux de spawn, bon, je pense que c'est parce qu'on est nombreux à pas avoir dormi. Hein, qu'il y a... Pousse-toi, Kisa, pousse-toi. Ah non, mais il me veut, hein. Ah, il est costaud en plus, et je lui ai déjà mis 2 flèches. Il a pas l'air de voler normalement, lui. Le tir au fantôme, une activité pour tous les joueurs, tous les jours du serveur, ouais, bah, toutes les nuits. Il y en a encore. Et tire pas trop sur le palais épiscopal avec tes flèches enflammées, Fredo. Monsieur l'évêque va pas être content. Tu vas avoir une convocation. Donc je vais remercier les modérateurs pour le live, remercier les donateurs, des gros bisous à vous, remercier les spectateurs, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc le 16e siècle, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, on n'en a pas encore trop discuté. Il y aura peut-être peut-être qu'on vous demandera votre avis, on vous fera des propositions, ou c'est moi qui choisis, pof. Voilà, on fait des propositions, on fait un vote, mais c'est Z qui choisit à la fin. Enfin, je sais pas combien là. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'il y a du tir friand. Attention derrière. Qui c'est qui me tire dessus? Qui c'est qui me... Ah non, c'est ta propre flèche. Tu l'as tiré à la verticale. Et je l'ai reprise. C'est hyper rare d'arriver à faire ça. Ah ouais. Donc du coup, je regarde mes statistiques. 460. Oh, à 40 près. Oh là là. Ah là là là. Bon, eh ben, hey, une bonne soirée, une bonne nuit à tous. À bientôt sur Mats. Et puis sinon, bah, bientôt demain. Le prochain live, c'est demain à 15h. On se retrouve pour du Techtopia. Petit modé. Tu vas les avoir les 500. Il en faut encore 40. Hein. Oh, puis là, je tire n'importe comment. Yeah.
Pourquoi il se planque dans l'arbre là-bas? Voilà, voilà. Allez, bah, je vais faire comme Dame Dodo, je vais aller me planquer dans l'écurie. Allons dans l'écurie. Je t'ai vu que tu t'étais caché tout à l'heure. Mais on est en sûreté. Mais je crois que tu t'étais pris une flèche, je me demande si c'est pas moi qui t'ai tiré dessus. Allez, des bisous, et puis à bientôt. Au revoir. Bonne bisous, nuit. Bisous, bonne nuit. Po, 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 po. Oh,